Aujourd'hui, nous allons réaliser des mini cakes salés pour Halloween. Pour 6 personnes, il vous faudra 40 cl de crème fraîche liquide, 6 œufs, 300 g de farine, 2 sachets de levure chimique et 80 g d'huile neutre style Isio 4. Pour la première garniture, vous aurez besoin de 75 g de tomates séchées et égouttées et de 150 g de lardons. Pour la deuxième garniture, il vous faudra 6 saucisses de type knack et 6 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Dans le bol du robot, on va mélanger les œufs, la farine et la levure. On mélange. On va ajouter ensuite la crème fraîche et l'huile. Et on va mélanger rapidement jusqu'à obtention d'une pâte homogène. On sale et on poivre. À ce stade, on va partager la pâte en deux parties pour préparer la garniture. Dans la moitié de pâte, on va mettre les morceaux de knacks qu'on a découpés en petits bouts, auxquels on va ajouter 3 cuillères à soupe de moutarde. On mélange bien et on met de côté. Pour la seconde garniture, on va faire cuire les lardons et on va découper en petits morceaux les tomates séchées. On ajoute les lardons et les morceaux de tomates. On mélange à nouveau et on va passer à la cuisson. On va beurrer et fariner les moules et vous mettez à cuire à 180 degrés pour 20 à 22 minutes. Une fois vos cakes cuits, vous les laissez refroidir longtemps avant de les démouler.